actualité en Haïti, funérailles nationales jeudi, jeudi 10 décembre 2020 à Port-au-Prince dans l'église Christ-Roi pour gros avocat, militant droit monde, homme d'État, professeur Gérard Gougue. En Haïti toujours, dans Port-au-Prince, gros marche à contre insécurité dans l'occasion 10 décembre qui c'est journée internationale droit monde. Et puis États-Unis politique, président Donald Trump déclare qu'il fait carré goumen contre victoire président élu Joe Biden qui lui-même a pas avancé dans la direction prestation de semaine 20 janvier 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est pour Rendez-vous Info. C'est un plaisir l'autre fois encore pour Naveur, pour nous ensemble actualité, une actualité qui focus surtout sur les États-Unis et sur Haïti. Aujourd'hui, c'est 10 décembre, c'est journée internationale droit monde. Un pile pays marqué journée ça parce que c'est un 10 décembre, tant qu'aujourd'hui, en 1948, que l'Assemblée générale des Nations unies était et adopter jour ça comme journée internationale droit monde. Et en Haïti, actualité en Haïti, c'est funérailles maître Gérard Gougue qui chantait matin dans paroisse Christ-Roi dans Port-au-Prince en présence chef gouvernement Joseph Jout avec diverses autres personnalités dans qui sorti dans plusieurs secteurs dans vie nationale là. Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain Port-au-Prince, c'est célébrant principal funérailles militant droit monde, il était fait histoire était présenté un portrait de défunt, mais on garde ambiance d'abord, on va entendre monseigneur là. C'était Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui est archevêque métropolitain Port-au-Prince, qui était célébré et funérailles, et gros potorique garçon ça, et éminent professeur, homme d'État. Et je dis à eux enterrer, il était gagné plusieurs mots qui étaient pour la parole, notamment bâtonnet de l'ordre des avocats Port-au-Prince, la maître Marie-Suzy Legros, qui était tout profité lui-même, parler de l'autre causé qui dominait l'actualité, notamment de. Et procès pour joindre justice pour mettre Montferré et Dorval. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, Gampil Moun qui continue à associer non seulement funérailles là, mais avec date ça. Coïncidence, Gampil Moun qui dit, mais Gampil symbole là-dedans tout parce que jeudi 10 décembre, c'est journée internationale droit Moun, alors que M. Gérard Gougue, c'est ton pionnier dans la question de défense et droit Moun. Donc, dans tout service créole là, nous présenter condoléances, nous bye. Toute famille, amis et alliés qui affectés par de ça. Et dans la même journée en tout, il y a une manifestation pacifique pour la vie. Et dans Port-au-Prince, c'est une occasion journée pour non seulement marche pour la vie, mais contre insécurité, contre Zak, kidnapping. Correspondant à nous, Renat Toussaint, tu es sous place. Et au reportage.
plusieurs milliers manifestants qui étaient occupés béton dans le cadre manifestation pacifique ça y ont baptisé marche pour la vie côté y ont dit non à kidnapping à insécurité non à kidnapping que nous estimons qui c'est un kidnapping d'état c'est un kidnapping d'état là nous dit ça c'est un kidnapping parce que nous regardons analyser avec facilité que nous voyons que modèle kidnapping ça lui-même il envahit le pays dans tout et 10 départements. C'est une journée internationale, droit monde. Eh bien, nous venons dire avec Jovenel Moïse, dans notre constitution par nous, qui va nous droit à la liberté d'expression, droit pour nous revendiquer, droit pour nous faire, pour nous demander, ça c'est ce qui est nous des droits. Par exemple, droit à la santé, droit à la nourriture, droit au logement, droit à l'éducation. Et pour nous jeunes, ça y est, nous parlons que notre pays n'a fonctionné. Et les gens disent, pas de rien que vous avez pour prendre peur. Et nous vous disons, même nos conditions à vivre là, même bête pas supposé vivre pour ça nous. Comment faire jouer les gens au traiter nous des sauvages, je traiter nous des terroristes et pendant ce temps nous pas qu'à manger, nous pas qu'à boire, insécurité programmée dans pour nous. Contrairement à décret président Jovenel Moïse prend qui crée agence nationale investigation ANI qui interdit moun boule caoutchouc sous béton, manifestants yo te boule en pile caoutchouc dans tout parcours manifestation qui te démarré en bas lumière la lue avenue Martin Luther King pour Albout Champ de Mars après que la police nationale d'Haïti te fin disperser protestateurs dans zone ministère de la justice. Jovenel te dit personne moun pa ka boule caoutchouc. Je ne jodi a nous montrer nous lever défi a. Nous boule caoutchouc dans boule figure. Et s'il bêtise, nous allons brûler la caille. Comment pour faire, ouais? Yo peuple pas qu'à manger, yo peuple pas qu'à l'école, yo peuple non insécurité programmée. Tu ne veux dire c'est carnaval? Tu signifies la démocratie, car tu signifies liberté, car tu signifies tête ensemble, car tu signifies non à la dictature, car tu signifies non, nous pas d'accord ça. Nous pas qu'à gouler, nous pas maquiller, nous mettons à qui ça joue, pour y'a qu'à ancien sénateur Antonio Cherami, qui était participé dans la marche pour la vie, ça dit gagner une dictature, régime en place là, voulait instaurer dans le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir 7 février 2021. Il ne prend pas de crème pour nous capturer les petites minoux, mais il prend des crèmes, je dis, pour menacer tout acquis démocratique que nous débataillons. Pour nous te gagner en 87. Je dis à nous prendre la rue pour nous dire non contre kidnapping. Pour nous dire nous pas prendre pression, Jovenel. 7 février 2021, son rêve, son réalité, qui doit être en réalité. Et pour kidnapping allié en famille dans la rue, c'est pour faire peuple la paix sortir. Et bien, je dis, je bats un gros bravo pour moi personnellement, je bats un gros bravo pour le peuple haïtien qui mettait pied la terre. Et ça, ça c'est un commencement. Nous ne pouvons pas nous chambre camper pour jusqu'à ce que nous retournions dans la normalité nous dans le pays. Et m'a dit, Constitution 87, là, je dis à la place là, personne ne peut manger. Parce que c'est dans le contexte qu'elle était faite. C'est dans le moment ça, j'en ai aujourd'hui qu'elle était faite. Nous devons quimber comme acquis pour nous ne pas venir retourner dans la dictature dans le pays. Droit pour nous manger, pas respecter. Droit pour nous vivre tant que nous ne pas respecter. Droit pour nous exprimer, pas respecter. Droit pour nous travailler, pas respecter. Droit pour nous apprendre. Droit pour nous former tête, pas respecter. Droit pour nous exprimer. Pas aucun droit qui respecter. Son seul droit dans le pays à qui gagne, c'est droit pour nous voler. Et peut pas ici en dire couper face avec voler. En tout cas, président Jovenel Moïse fait qu'on est, c'est 7 février 2022, la remettre pouvoir, parce que c'est date ça, qu'a fait 5 l'année dans tête l'État. L'idée parti politique, petite Dessalines, n'a pas côté parle, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui était dans manifestation en tout, fait qu'on est, aucun droit. Pas respecté dans le pays d'Haïti. C'est symbolique pour tout peuple sur la terre bénie. Mais nous, en Haïti, nous avons les droits, nous avons l'élection pour nous. Nous n'avons pas de l'hôpital, pas de l'école. Si nous n'avons pas de manger, nous n'avons pas de manger. Nous avons toute qualité de la vie dans le monde. La sécurité, nous avons la ria pour venir dénoncer la réseau. Et pour venir annoncer la couleur, pour nous dire cette fois-ci,
travail, c'est pour renverser ce système ça, ensemble avec le gouvernement, avec ingérence, ambassade. C'est pour ça que nous travaillons à la personne. N'a pas rappelé que c'est dans l'année 1948, Nations Unies a adopté Déclaration universelle des droits de l'homme pour permettre que doit tout chrétien vivant sur la terre capable de respecter comme ça doit. Mais pour le pays d'Haïti, d'après manifestants, même vie monde pas respecté à l'Iwe pour droit à l'éducation, économie, sociale, politique et culturelle, pour ne citer ça seulement. Moi, c'est Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. Donc, aujourd'hui, tant que Renan Toussaint soit dit, tant qu'on te dit là, commencement programme, non, c'est Journée internationale droit monde. Et dans l'occasion, correspondant nous, Florence Lisney, qui en général, qui est responsable rubrique égalité femmes et garçons, et bien, aujourd'hui, elle a présenté nous un reportage sur droit femmes dans le pays d'Haïti. Florence Lisney a parlé avec nous depuis Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. C'est chaque jour, bon Dieu, mette femmes à subir violence, discrimination, mauvais traitement, sous toute forme, à toute qualité. Si nous sommes responsables, nous sommes marrons. Pascal Soulage, Cap Goumen, pour respect droit mesdames yo, présenter plusieurs aspects côté droit mesdames yo à violer. Accès à des opportunités, accès à des chances et tout ça pour avoir accès pour gagner. Accès à des droits pour éducation, donc pour santé, droits politiques, droits économiques que groupe de monde ça gagne dans société hein, et qui fait que justement dans différents espaces que a évolué, yo capable de difficulté pour gagner accès à droit ça yo, à opportunité, à chance ça yo, ou bien ou pas gen accès à lui-même du tout. Yon avis, Joanne Garnier partagé. Responsable impact lan, estime femme avec tifi, c'est catégorie qui plus victimes avec violence, discrimination dans pays ya. Militant droit moun lan, attire attention sur yon catégorie qui d'après ça le dit, pas rentré dans les statistiques autorité yo. De violence qui a passé derrière les rideaux. Et derrière les rideaux, pourquoi? C'est parce qu'il s'agit de groupes encore plus vulnérables, encore plus marginalisés, des groupes que société a oublié s'ils existaient. C'est Tifi qui est handicapé. Tifi, ça y est, il n'est pas sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pile fois par an, il est très honteux, donc il n'est pas prêt à rapporter Kayo. Et deuxièmement, si moun sa yo, yo pa genye personne pou yo ta pote plainte. Toutefois, pi gro inquiétude madan gagné rete nan réponse ki ta dwe pote ak action sa yo. Pil scandale autour de violence ka fèt sou tifi et nou pa wè clair nan ki sa ka fèt au niveau national, au niveau l'état pou non seulement freine sa, mais pou puni coupable. Présidente Chambre commerce femme entrepreneur haïtien aller plus loin lui-même dans questionner source violation droit mesdames yo puisque pour Daniel Ajac c'est chaque jour bon Dieu mette droit mesdames yo a violé. Définitivement en Haïti nous avons un gros problème mesdames yo un gros problème qui c'est problème droit yo qui pas respecté. Est-ce que c'est qu'on est moun yo pas connaît? Est-ce que c'est dans l'éducation nous ça sorti? Est-ce que c'est dans culture nous ça y est? Est-ce que c'est gens été levé tifi ak ti garçon? Côté que petit garçon en lui-même leur fin dans société en lui connaît le tout droit lui qu'a fait ça et personne pas qu'a dit rien de ça. Et Daniel Ajac continue pour plaider en faveur mobilisation et qui droitera possible pour respect droit mesdames yo. Faut que nous continuer quitter flambeau allumé pour bataille continuer faite. Pascal Solage, Joanne Garnier, Daniel Ajac, toute militante droit moun sa yo d'accord sur un seul bagaille. Première action qui doit être faite pour finir à causer violation droit mesdames yo doit sortir dans formation société a doit pi bien formée destruction société patriarcale doit passer par formation tout ça rentrer dans qui ça n'a transmettre en termes de valeurs qui ça que n'a transmettre en termes d'éducation qui gens institution ça yo même yo décider pour camper question rapport femme et garçon en dans société éduquer femme éduquer tifi mais non seulement ça pour éduquer monde qui dans système protection qui pour éduquer la police qui pour éduquer juge yo pour connait que cas ça yo c'est de cas qui a rien dit mérité non moun ki subi yo gen droit pou la justice aborde question sa yo gen droit à la justice.
Respect droit femme chita depuis dans formation éducation ti fi ak ti garçon yo ça qui montrait gros rôle parents yo bon côté l'école l'église ak l'autre institution yo gagné nan favoriser yon éducation égal égo en ti garçon ak ti fi qui pral bay yon société égal égo côté tout moun se moun ki tout se fi ki tout se garçon nou gen même droit nous jouit même privilège sans discrimination sans passe pour qui dans respect droit à liberté nous chaque qui donc dans respect une pour l'autre. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence Lisney dans un reportage sur droit femme dans pays d'Haïti dans occasion 10 décembre ça qui c'est journée internationale droit monde à travers le monde. N'a pas pour nous tourner encore sous dossier ça pita nan programme nan mais au niveau international. Moi c'est Jacques Belizère, on suivre rendez-vous info sous la Voix de l'Amérique, n'a permettre depuis Washington DC. Merci d'être l'autre fois encore choisi la Voix de l'Amérique pour informer ou à suivre rendez-vous info. Actualité politique là ici aux États-Unis, malgré défaite président sortant républicain Donald Trump, il subit un paquet de défaites, tribord-babord dans plusieurs tribunaux, parmi eux, Cour suprême. Le leader américain dit qu'il fait carré à Goumen pour changer le résultat de l'élection. L'élection qui était déroulée dans le mois, dans 3 novembre. Qui saute passé là donc le président Donald Trump lui-même lui dit ouais pas ouais c'est goumen la goumen parce que il croit que c'est lui qui remporté la victoire sous Joe Biden qui journée aujourd'hui c'est président élu qui a fait nomination et qui a marché en direction prestation de serment qui fixé pour 20 janvier 2021 et Serge Rodriguez gain détail. Président Donald Trump sermenté hier mercredi pour continuer la bataille à mener pour renverser victoire rival démocrate Joe Biden remporté dans l'élection présidentielle mois novembre passé à ici aux États-Unis. Monsieur Trump pourra continuer l'ici là mais en nouveau action en justice devant un coup suprême nan, après puis au tribunal américain a fin passé en papier une tentative républicaine en Pennsylvanie était fait pour changer le résultat qui favorisait monsieur Biden dans l'Iowa. Cour suprême n'a été rendu un verdict tout court mardi passé pour rejeter catégoriquement demande politicien républicain en Pennsylvanie pour effacer environ 81 000 voix qui baille candidat démocrate à la haute main dans l'État ça, qui est dans la région l'Est États-Unis. C'est la première fois que le tribunal pays a été fourré bouche dans l'élection présidentielle année 2020. Cependant, décision ça, c'était le dernier jugement et une série de défaites partisans locataires Maison Blanche l'a subi dans le tribunal, dans l'effort qu'a fait pour qu'un bel sous pouvoir pour un autre mandat 4 ans. Tout Méli-Mélo Sayo déroulé dans le moment collège électoral états-unien qui déterminait gagnant l'élection présidentielle à Paris pour voter lundi cabinet pour confirmer victoire 306 voix contre 232, président élu Joe Biden remporté sous président sortant républicain Donald Trump. Merci Serge Rodriguez qui était parlé avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Toujours dans l'actualité politique, là, président élu à Joe Biden, pas bien seulement républicain yo comme obstacle dans le Congrès, mais l'a bien tout, ça aurait les démocrates progressistes. Yo. Jean-Robert Philippe dit nous, pression a augmenté sous élu démocrate là pour inclure dans l'administration de Nian. L'autre monde n'a pas parlé de démocrates progressistes. Jean-Robert Philippe, gain détail, il est dans Washington depuis Salle des Nouvelles. Républicain dans le Congrès, pas seulement un obstacle pour calendrier candidat élu parti démocrate là, Joe Biden, après le fin de récemment, 20 janvier 2021. Président élu démocrate là, qui s'est centriste pour faire face avec zèle progressiste en dedans parti à même qui déjà déclaré qu'il a contribué dans la victoire. That's what our next move is. To make sure that the Biden administration député démocrate Alexandria Ocasio-Cortez déclaré prochaine étape là c'est assurer administration Biden non qu'embé promesse cité fait jeune qu'embé promesse cité fait mouvement Black Lives là qu'embé promesse cité fait by communauté yo avec classe travailleuse dans tout pays là. Plusieurs candidats progressistes, comme sénateur Bernie Sanders qui tape chercher nomination parti démocrate là pour l'élection présidentielle là parfois critiquer parti là.
We are taking on the entire political establishment. N'a attaqué tout système politique là, républicain tant que démocrate. Déclaration ça a créé un débat inconfortable sur valeur morale parti qui pas jamais résoudre. Sénatrice Massachusetts là, Elizabeth Warren qui était candidat pour nomination parti démocrate là, parlait pour dire parti démocrate là c'est un parti progressiste. Idée progressiste c'est une idée populaire même si en pile parmi nous cap chercher nomination parti a pas voulu aborder question ça. Même si président Elia Joe Biden parlait pour dire il est capable combler vite qui existe en dedans parti a, ça pas empêché le rappeler électeur dossier l'ELT vice-président. Progressive is getting things done. Progressio a fait bagaille au marché. Candidat démocrate qui était perdu nomination parti a face à président Elia Joe Biden tant que Elizabeth Warren déclaré il fait tant des idées progressistes pendant discussion. We have ideas now that we je dis à nous bien idées n'a discuté que nous pas capable discuter ça gagne l'année. Tant que par exemple 2% taxe sur monde riche avec son santé universelle pour petit monde qui capable réel. Mais démocrate pas vraiment remporté en pile siège dans congrès à contrairement avec attente qui était gagné dans l'élection novembre non. Défaite démocratie modérée rend le slogan progressiste responsable. Une pas mis slogan ça yo, c'est couper financement police là. Capita Faro, capacité dans l'Amérique du Sud déclarée, il y a un pile d'examen ministre qui a fait dans Zel progressiste parti assis qui a parlé comme ça. Est-ce que c'est direction ça, Américains voulaient aller? Si vous regardez les résultats tous les champs, les démocrates n'ont pas remporté quelques sièges qui étaient espérés dans le Sénat. Et ils ont même perdu quelques sièges dans la Chambre des députés. Il y a un argument que nous sommes capables de faire, c'est que le calendrier progressiste n'a pas de traction. Mais le président Elia Joe Biden a toujours aimé progressiste dans l'esprit. Dans le moment, il a formé le cabinet pendant la transition. L'incoming Biden administration est très stratégique. Professeur à l'American University parlait pour dire prochaine administration Biden est très stratégique pendant que la prend plus précaution. L'administration reconnaît l'existence pour nommer zèle progressiste parti dans le gouvernement et au président dans la prochaine administration. Même si le président Elia fait alliance avec progressiste sur projet de loi ambitieux lié sur changement climat, réforme police, soins santé, pas grand plus chance pour Parlement approuver projet de loi ça. Si nous comprenons Capri Cafaro, qu'a pensé à l'American University? The margins are so incredibly slim that I think it's going to be marge pour Congrès approuver projet loi ça yo mais en pile moi crois que il est très difficile et la proposition yon poids lourd pour progressiste pour faire adopter quoi réforme ça yo pour signer président pour en pile dans progressiste président Biden n'en considéré comme une démarcage de l'administration Donald Trump là a rempli l'opportunité pour changement capitaine yo depuis Washington moi c'est Jean-Robert Philippe la voix d'Amérique. L'autre point dans l'actualité, nous allons faire un petit coup de pied tout petit en Europe pour nous dire que membre de l'Union européenne yo réuni jeudi à dans ville Bruxelles dans pays la Belgique pour un sommet qui gagne pile ambition là. Par exemple, yo gagne une résolution sur impasse concernant un budget qui dépassait plus passé 2 milliards et dollars et 2 milliards 100 millions de dollars comme soulagement pour pandémie Covid-19 là avec question changement climatique dirigeant 27 États Union ben il a discuté également sur vaccin Covid-19 là et puis sur quelques questions qui gain rapport avec relation avec Washington et puis dans occasion 10 décembre ça l'ONU associé lutte Covid-19 là avec droit monde en suivre. Nations Unies exhortent le monde pour les placer droit monde dans premier plan dans 4G fol à déployer contre pandémie coronavirus là pour les citoyens dans le monde entier y ont plus bon avenir. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dénonçait entre autres l'inégalité, la misère, problème environnement qui est à la cause propagation virus là. That should have been the basis for a coordinated global response. Unfortunately, dans discours télévisé ça dans occasion célébration annuelle Journée internationale droit moun nan, numéro 1 l'ONU a précisé pandémie COVID-19 là gagné un impact débalancé sur groupe qui plus vulnérable et spécialement moun qui nan premier ligne moun qui âgé moun handicapé femme actifi à groupe minoritaire. Vraiment vrai virus là continue à prendre la vie moun. Selon l'Université John Hopkins ici aux États-Unis, il y a plus passé 1 500 000 monde qui déjà mouri en bas pandémie coronavirus là. Violation droit monde ta un facteur qui facilite propagation virus là. Selon monsieur Guterres, virus là gagné à cause pauvreté, inégalité, discrimination, destruction environnement naturel là
ak lot mankman ankor nan dwa moun ki kreye gro fragilite nan sosyete nou an. Depi vil Genève nan peyi la Suisse, komisè dwa moun pou Nasyons Unyen Michelle Bachelet kritike moun kap politize pandemi koronavirus la. Pou Madame Bachelet ki prezante yon diskou yè merkodi a, enkapasite pou plizye peyi pou yo pran virus la o serye e aji ase rapidman pou empeshe propagasyon virus la, tout sa deranje yon paket problem ki gen rapport ak dwa moun nan le moun, spesyalman dwa ekonomik, sivil e politik. E Madame Bachelet kontinue pou prezise, politize pandemi an nan nivou sa, se yon aksyon ki depase irresponsabilite. Nan mouman le moun ap pale an pil de vaksin COVID-19 la os Etats-Unis, nan parlon pa de Angleterre, ki te premier peyi ki apouve vaksin, apre sa nou jwenn le Kanada, ansyen prezident peyi Chili a, Madame Bachelet, di pi bon bagay pou yo ta fè se yon vaksin dwa moun ki tap genye la dan, ingredyen de baz ki nan Deklarasyon Universelle dwa moun ke Asamble General Nasyons Unyen te adopte le 10 Desembre 1948. Nan nivou mondial, pandemi an infekte au mwen 68 milyon moun et touye plus pase 1,5 million. Et puis jodi a aux États-Unis gen pil moun k ap rele parce que gen pil moun ki mouri nan COVID-19 donc chif yo ap augmente surtout que gen spécialiste ki te pale de avec et fête Thanksgiving nan jou action de grâce la côté que yo te di an pil moun pa voyager mais te gen paquet moun ki te voyager te même gen record nan moun ki voyager nan mercredi avan jeudi et Thanksgiving. Donc dans une situation que n'a pas pour un autre point dans actualité ici aux États-Unis c'est que responsable militaire dans base Fort Hood au Texas révoqué ou bien suspendre plus passé une douzaine officiers haut gradés après une enquête sous abus sexuels à crime qui déroulait la donne. Ça je vous dis gars en détail. The tragic death of Vanessa Guillen and a rash of other challenges at Fort Hood forced us to take a critical look at our systems. L'armée américaine révoquée ou bien suspendue mardi semaine ça 14 gros officiers supérieurs et responsables au passé l'ordre pour changer politique qui est en vigueur dans le corps militaire états-unien après une enquête en profondeur financée douette sous acte de violence et nuisance sexuelle en dedans base Fort Hood d'État Texas là parmi eux assassinat d'un soldat femme dans le commencement année 2020 ça. Pendant le ministre de l'armée américaine Ryan McCarthy a fait une conférence pour la presse dans même journée mardi là. Lidi, un comité révision civile indépendant a découvert problème tribord à bord dans la deuxième plus grande installation de l'AMIA aux États-Unis, parmi l'absence totale d'investigation sur le crime qu'on commet dans la base militaire. Ça, il y a un manque de confiance dans la prévention du crime sexuel en dedans, et le climat a créé possibilité pour les actes nuisants et d'appuyant sexuel déroulés dans l'installation Fort Hood, là, sans garder derrière. Ministre McCarthy déclaré par la presse que enquête indépendante joigne un paquet de problèmes dans la base militaire, parmi eux une série d'assassinats et des gens qui carrément disparaissent. En plus de ça, ils découvrent une plus grande quantité de crimes passé toute l'autre installation comme ça sur le territoire américain et ça vient pour être directement un échec de leadership de la mer. M. McCarthy précisait que c'est le leader militaire qui a dû tracer les conduites soldats en dedans. Et que les déçus en pile pour constater que même les déçus n'ont pas arrivé à créer climat quand ils ont traité tous les soldats nets avec respect et dignité qu'ils méritaient. C'est Jody Guest qui parle avec nous depuis Silver Spring, dans l'État Maryland. Nous pratiquement arrivé dans la fin du programme. On va aller quelques points qui ont dominé l'actualité. Actualité en Haïti, funérailles nationales jeudi 10 décembre 2020 dans Port-au-Prince, dans l'église Christ-Roi, pour gros avocat, militant droit monde, homme d'État, professeur Gérard Gougue. En Haïti, toujours dans Port-au-Prince, gros marche à contre insécurité dans l'occasion 10 décembre qui c'est journée internationale droit monde. Et puis États-Unis politique président Donald Trump déclare il fait carré goumen contre victoire président élu Joe Biden qui lui-même a pas avancé dans direction prestation de semaine 20 janvier 2021. Et c'est là mesdames mademoiselles et messieurs que n'a pété fin dans programme dans aujourd'hui, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Une autre fois encore, nous présenter condoléances nous by la famille Goug avec tout alliés, amis et même Batouna. C'est un plaisir pour nous te servir. Merci pour attention, nous merci pour fidélité. Nous avons cassé rendez-vous pour demain pour dernier sorti rendez-vous info. Moi c'est Jacqueline Bizet qui a souhaité nous passer une bonne soirée. Merci et à demain. We'll be right back.